bonjour à tous et à tous, c'est Sarah et aujourd'hui on se retrouve pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'on est déjà là? C'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément de matchs entre le Barça et là maintenant on arrive à la Juve, mais ne vous en faites pas, je vais vous faire de suite un résumé. Alors, on s'en était arrêté ici, donc il y a eu Ajaccio, on a gagné 3-0. Après il y a eu l'Argentine avec où j'étais sélectionneur avec la Colombie, 2 buts partout, au Chili 2 buts partout aussi. Rennes, on a gagné 1-0 avec un but de Bastoyi. Et là maintenant, on en est là en quart de finale contre la Juve. De l'autre côté, après ce quart de finale de la Juve, regardez ce qu'il y a. Pour le moment, Dortmund est en train de gagner 1-0 contre le Bayern. Impressionnant pour le moment Dortmund. Real Madrid Atlético. Le derby, si on peut dire, 1 partout pour le moment. Écoutez, maintenant c'est à nous de faire notre job. Lewin Kurzawa est revenu de blessure. Et chez Gilet n'est plus là. Kondogbia, il a demandé du temps de jeu, je ne sais pas pourquoi. Le capitaine. Chez nous, on va de suite lancer notre match contre la Juve. On commence à domicile comme contre le Barça. Je pense qu'on a largement les moyens de se qualifier. On sort le Barça. Alors bon, on n'est pas trop mauvais. La Juve, attention, peut-être un futur joueur de l'AS Monaco dans cette équipe de Juve. Il s'appelle Paul Pogba. Peut-être. J'ai dit que j'arrêtais cette carrière suivie dès que j'aurais gagné la Ligue des Champions. Je pense que cette année, on a largement les moyens de la gagner. Donc après, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu vas faire? Bah, beaucoup de gens m'ont demandé les carrières joueurs, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je pense, oui, c'est ce que je vais faire. Bienvenue pour ce match de Coupe des Champions. Je suis en compagnie de Franck Sauzé pour vous commenter cette rencontre. Et nous en sommes au quart de finale et ça devrait être sympathique. Au programme, l'opposition alors, entre l'AS Monaco et la Juventus. Alors, moi je dis, on va gagner. Donc nous, notre composition est très habituelle comme d'habitude. On se dit qu'on devrait quand même assister à un match sympa. Peter qui a bien pris la place derrière. Derrière Centro, il est énorme. Derrière, franchement, il est pas mauvais. Lewandowski, malheureusement, il n'a remis pas beaucoup de buts en Ligue des Champions. Il semble que c'est Ronaldo le premier avec ses 6 buts. Alors Buffon, Cáceres, Bonucci, Kekelini, Maron. Putain, ok, il joue en 3. Asamoah, Vidal, Fizio, Isla, Tevez, Llorente. Allez, allez les gars, quart de finale. C'est une place pour le dernier carré qui est en train de se jouer dans ce match. On est parti. Fizio. Il faut essayer de prendre un bon départ comme contre le Barça, Kondogbia. Kizio. Bon départ, même si on avait concédé ce but à l'extérieur. J'ai peur pour la suite du match. Surface. Carlos Tevez. Arrêté. Et Varane derrière. C'est le meilleur, c'est mal dégagé. C'était Royce, pardon. C'est bien rattrapé, Royce, avec Marquisio. Royce, Lewandowski. Attention avec cette défense à 3 qui peut leur jouer des tours avec la vitesse. Un joueur avec Lewandowski déjà. La frappe de Lewandowski. Et la première parade de Gianluigi Buffon. Lewandowski qui avait trouvé la première occasion. La première occasion pour les Monégasques. Corner tiré par Marco Reus. J'ai peut-être la tête de Varane. Il fait cette tête. Gianluigi Buffon est encore là. Buffon. Comme je vous ai dit, on a éliminé le Barça. Ça veut dire qu'on peut aller très loin. Cette Ligue des Champions. Le Bayern dans notre poule. Tevez. Tevez. Oh non, c'est à côté. Un ballon qui a été mal frappé. Je crois qu'il a pris trop de l'extérieur. À côté des cages de Daniel Sou. Dégagé. Le Camaronais. Bien pris par eux. Du ballon. Meilleur. Meilleur. Accroché, monsieur l'arbitre. Ah, bonne intervention pleine d'autorité Varane. Du défenseur dans les airs. Kurzawa. Allez, il faut qu'il centre là. Ça fait longtemps que vous l'avez pas vu, Kurzawa. Il va chercher Lewandowski de la tête. Cette tête qui ne sera pas cadrée. Il lui a manqué quelques centimètres, en effet. Ça
Arrêté. Carlos Tevez. Ouais, bonne circulation du ballon. Mais Pogba n'est pas là. Camaroné. Vidal. Vidal. Sur le qui fait peur. Un centre est contré. Attention, ça revient dans la Juve. On est toujours dans la surface. Mikon Dogbia est là. Meilleur. Peut-être le contre, il est là avec, avec Meilleur et Lewandowski. Oh, Kekilini qui s'est bien défendu. Kondogbia qui est encore là. Kondogbia, il a un petit peu. Meilleur. Allez, l'accélération d'Alexandre Lacazette peut-être. Oh, il est tout seul, Lewandowski, il faut bien le faire. Oh, Reus qui savait mal anticiper le rebond. Llorente. Llorente, c'est cela. Monégasque, Llorente. Llorente qui est face à Lewin Kurzawa. Lewin Kurzawa, il faut vite revenir. Il l'a fait tomber. Oh, Marquisio. Avantage en cours pour la Juve. Le centre. Bonne sortie, c'est Daniel Subasic qui a ce ballon. Allez, il y a Lewandowski qui est juste devant. Le voici, Robert. Lewandowski. Reus. Ouais, bon petit pont là. Lewandowski avec qui va encore chercher Reus. Ouais, ça a bien combiné quand même. Llorente. Carlos Tevez. Tevez. Varane est à terre. Marquisio. Attention, le trou peut-être là-haut. Kurzawa qui va vite redescendre sur lui. À Samoa. Et ça sort en touche. Kurzawa. Marco Reus. Reus. Kurzawa. Franck, vous faites partie des personnes qui Meilleur. Vont bien match nul à l'issue de cette rencontre. Mais je pense simplement que le match sera serré et que les Monégasques peuvent poser des problèmes. Jeu. Il est en jeu, le petit Robert Lewandowski, tout l'allant. La Cazette, cette fois-ci, il n'est pas en jeu. Il va centrer. Yes. Il n'y a pas de faute. Il a pris le ballon d'Echilio. Oh, ouais, là. Il peut reprendre ce ballon. Carlos Tevez. Varane. Tout l'allant. Bien fait ça pour Lewandowski qui est toujours pas en jeu. Contrôle de la tête. Il est bousculé, mais non. Pas de pénalty. Cazette, il va attendre l'arrivée de Echilio. Le voici, Echilio. Encore une touche, Kekilini qui n'a pas pu s'en sortir. Allez, les Monégasques qui ont la possession, sûrement, non ? La Cazette. Bon ballon. Oh, il va chercher peut-être Meilleur. Non, le gardien qui s'en sort. Présent sur le centre. Il sort de sa ligne pour aller chercher ce ballon. Vidal. Carlos Tevez. Kielini. Le Camaroné. Il est à la lutte avec tout avec leur système de jeu. Reus est obligé de jouer derrière. Zio. Allez. La Cazette. Kondogbia. Lewandowski. Et ça s'approche. Il est passé. Meilleur. Oh, mauvais contrôle. Mauvais contrôle de Maximilien Meilleur. Dommage. Ça aurait pu donner une bonne occasion pour les Monégasques. Mais là, ce mauvais contrôle. Mauricio Isla. Oui, la Cazette. Oui, la Cazette. Excellent. Allez, Lewandowski. Et avec un petit contre favorable. Il perd pas le ballon. Non, Decilo est bien là. Kondogbia. Tout l'allant. Ah, non. Le Camaroné. Llorente. Ça va donner une touche pour la jeune. On a fait quelques-unes, mais bon. Plus beau le spectacle en deuxième mi-temps. Malone. Fernando Llorente. Mauricio Isla. Fernando Llorente. Oh, c'est ouf! Il soulage sa défense. Et le ballon est sorti. C'est un corner pour la Juventus. Oula! Il n'y avait personne devant. Ouais, bien. Il n'a pas pu récupérer encore ce ballon. À Samoa. Attention, on passe le prendre maintenant. Decilio. Oh, dommage. Dommage, il aurait pu la sauver. Pas de chance. Tal Decilio. Oh, ça sort pas. La Cazette. Tout l'allant. Lewandowski. Meilleur.
Reus, ici le contre Monégas qui était là avec Marco Reus qu'on n'aura pas énormément vu. Il n'a pas réussi à percer cette défense, Lewandowski avait récupéré. Extrêmement serré à la pause. Égalité parfaite pour le moment. À mon avis, les choses vont évoluer. Qui a fait 0-0, c'est ça, non ? On peut pas en rester là. Centré. On est parti, deuxième mi-temps, on est à domicile, hein. Faudrait, comme j'ai dit tout à l'heure, on va éviter de se prendre ce but à l'extérieur qui nous mettrait mal en point, tout l'allant. Lewandowski. Attaque qui est finalement enrayée par la défense. Ouais, 1-2. Vidal. Tevez. Qui va se Varane premier. Qui s'en sort, Souba. Qui repasse par les pieds du gardien. Ouais, faute, c'est l'arbitre de touche qui le signale, je crois qu'il a raison. Pourquoi pas sur coup franc avec Marco Reus qui va le frapper. C'était impossible à contrôler quasiment. Attention à ces coups de pied de coin, c'est souvent à la Juve, de Pirlo rentre. Sinon Pogba, il est blessé ou il avait plus sur Zawa. La frappe Capté par Buffon. Dommage. Vidal. Carlos Tevez. Oh, c'est bien parti. Ouais, Varane qui bloque. Allez, corner pour la Juventus de Turin. Énormément d'actions, elles sont pas forcément. Quelqu'un inter. Oh, qu'est-ce que tu me fais ? Attention ! Tir qui est contré. Lewandowski. Qui a pu remettre cette tête. Allez, on va très vite oublier cette action-là. Allez, meilleur. Je vous rappelle que le journal du match. Dog. Il y a. Cassette peut-être. Carlos Tevez. Aïe. Oh, il n'a rien lâché là sur cette interception. Bien joué. Tout l'allant. Marco Reus. À Samoa. Tout l'allant. Tout l'allant, c'est bien. Il essaie de venir disputer ce ballon. Oh, la lutte est âpre pour reprendre ce ballon. Et c'est compliqué, on n'arrive pas à avoir de grosses occasions. Pirlo. Oh, Pirlo. J'ai pas envie d'enlever contre Gbia parce qu'il fait un bon match. Il faut faire les bons choix. Après, tout l'allant, ça reste tout l'allant. De prendre l'avantage qui s'en là. Non, c'est Pirlo. C'est Pirlo qui a tiré à côté. Meilleur. Mètres. Allez. Oh, elle est belle. Russe. Ils avaient bien l'intention de faire la différence, mais c'est raté pour ce coup-ci. Oh, j'y crois pas. Aïe. Reus, c'est vrai que son confort, c'est pas vraiment la tête, mais là, est-ce que tu mettais ce but là? L'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Au moins, on n'a pas de but de retard. Voilà. On va aller chez eux, ça va plus être la même. Oh, il la récupère. Vidal. Oh, il y a beaucoup à jouer là, il n'est pas tout seul. Marquisio. Oh, le trou en bas. Oh, Souba. Et le gardien qui donne un sursis à son équipe. Oh, Souba. Morata est rentré. Oh, excellent. Sur bien joué. Faut qu'on arrête avec ces mauvais dégagements là. Morata. Oh, le but. Sors là. Oh là là. Si on pourrait marquer contre le gros jeu, ça m'arrange. Lewandowski avec meilleur. Morata. Bernardo Silva. Pirlo. Cadré à deux. Vidal. Ils font peur quand même, hein. Il l'Italien là.
devant son public. Il n'est pas en grande forme. Pirlo, un contre un, ça passe. Et ce ballon qui sort finalement. Un changement. C'est un petit peu osé de la part de l'entraîneur, là, ce qu'il fait. Enfin, je pense qu'il a une idée derrière la tête. Carlos Tevez. La grosse mauvaise passe, si on peut dire. Silva, justement. Oh, ballon contré. Allez, Royce et Kurzawa, c'est plus Royce et Ishijine, c'est Royce et Kurzawa. Allez, Kurzawa, c'est lui qui a trouvé un très bon centre tout à l'heure. Kurzawa. Oh, impeccable cette récupération! Non, putain, mais tais-toi. Morata. Écarte le jeu. On dog. Bernardo. Tampon là qui s'est pris, Silva là. Bonucci. Et moi derrière en plus j'ai mal dirigé mon joystick. Putain, j'y crois pas quoi. Le tampon, le pauvre, il a mangé là. Pirlo. Pirlo. Zio. Marquis sur la. Aïe. Ouf. Ça passe tout près. Oh, c'était une occasion. Tiens, pas son prendre, ça continue la Morata là. Pas souvent, et Tsuba pour le moment il fait un bon match ce soir. Lewandowski est toujours ce score nul entre les deux. Bernardo, équipes. Allez, Royce, vas-y, on t'aura pas énormément vu. Énormément vu. Superbe, c'est Lewandowski. Elle est belle. Ouais, elle est très belle. Ce centre il est magnifique. Et au moment où Gédio l'aura pas énormément vu, il sort cette passe D et c'est Lewandowski qui met le but. C'est l'AS Monaco qui prend l'avantage dans ce quart de finale. Un but à zéro chez eux. Il est signé Robert Lewandowski. Le match bien lancé maintenant. On respire. Même moi-même, je crois que je m'étais mis en fait la pression tout seul. Attention, pas prendre ce but à l'extérieur qui pourrait nous casser l'ambiance. Isla, ouh, attention, ils vont chercher un centre, mais. La Gazette est de l'autre côté. Decilio. Decilio. Vite une passe. Bernardo, excellent. Ah, s'il passait. Il y avait un gros coup à jouer s'il passait en 1 contre 1. Attention. Attention, oula. Oula. Oula là, la passe D. Et derrière. C'est parti. Oh, l'égalisation à quelques toujours comme ça. Match, oh, on est toujours obligé de se prendre un but à l'extérieur. La bonne série qui s'arrête là hein, pour le gardien. Aïe, dommage pour toi, Dosuma. Tu as fait un très bon match en plus. On ne peut pas vraiment lui en vouloir sur l'ensemble de ce qu'il a démontré jusqu'à maintenant. Ouais, regarde le tampon qui se prend, les ventes de ski. Se diriger vers une victoire. J'avais dit, regardez la passe D. Carlos Tevez. Oh les gars. C'est la Ligue 1. C'est la Ligue 2. Terre, corner. Que ce corner pour la Juventus. Regardez de nouveau ce but. Qui pourrait nous mettre une de la tête. Lui ou Materazzi. Très bonne sortie du gardien. Eh oui, il fallait y aller sur ce ballon. Et c'est un arrêt important hein, parce qu'il permet à son équipe. Un partout. L'arbitre a regardé son chrono. Et il vient de siffler. C'est terminé sur ce score de 1 partout. 0-0, Dortmund on a vu qu'ils avaient gagné. Et voilà. Et cette fois on n'a pas de but d'avance. Hein. C'est proche, regardez ce classement en plus. Rien n'est joué là aussi. Hein. Paris qui est bien revenu, putain en fait c'est l'OM là. Ouais. Un point de retard sur Bordeaux. Regardez, la fin de la saison est là. Honnêtement, j'aimerais bien me faire soit un Monaco-Real en demi, en finale, pardon. Souvenez-vous l'an dernier, hein. On les avait dans les poules. Donc, soit un Monaco-Real, j'avoue que ça vous fait vachement plaisir, ou alors soit. Alors faire un gros match comme ça, ça me plairait pas mal. Écoutez, moi je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour le prochain match de Ligue des Champions, encore une fois contre la Juve, le match retour. À la prochaine, salut tout le monde.